La vraie saison s'apprête à commencer. Voici ce que vous pourriez entendre si vous étiez du côté du Québec et que les Grenoblois étaient une équipe nord-américaine. Les amis, ce sont les playoffs qui commencent ce soir sur la chaîne Twitch des Brûleurs de loups de Grenoble. À mes côtés, Jean-Sébastien Guiguet du Sport Dauphinois qui certainement prendra l'antenne sans bafouiller. Hein? Pardon? Ouais, non, Salut mon bonsoir. Jean-C. Bonsoir, bonsoir. On est tous dans les starting blocks. On était évidemment tous impatients que commence cette soirée e-sport sur les ondes de la chaîne Twitch des Brûleurs de loups e-sport. On va faire un très léger retour dans le temps de 24 heures. Hier, ce sont les joueurs de Tours qui ont commencé leur parcours en phase finale avec la marque d'un partout au pointage de la série, j'en sais, puisque contre DuckTales, Tours a commencé par perdre 2 à 0. Et comme l'a notamment expliqué Yann Casals sur la chaîne du club, ils se sont heurtés à un mur défensif. Et le deuxième match, ce sont les Tourangeaux qui ont ouvert le score. Et ça leur a permis de sécuriser cette rencontre et de la remporter sur la même marque de 2 à 0. La série est donc égale un partout. L'importance, j'en sais, elle est double partout ce soir. Les buts comptent double, les buts encaissés comptent double, les fautes sont deux fois plus graves, les erreurs comptent pour beaucoup plus que lorsque l'on est en saison régulière. Ouais, les deux clubs français qui ont fort à faire, hein, qui auront fort à faire dans ce 16e de finale, parce que moins bien classés, notamment Tours, hein, qui est 26e au rank final, qui joue un 7e. Donc, bel exploit déjà d'être à un partout après la première journée, ce qui laisse entrevoir plutôt de belles choses, parce que les Tourangeaux ont tactiquement changé les choses. Ça a été payant. Leurs adversaires, eux, n'y sont pas parvenus. Il y a peut-être un coup à jouer pour Tours. Et du coup, on va aussi voir pour Grenoble qui tombe sur une équipe assez étrange, c'est-à-dire très, très, très forte devant. Et puis, malgré tout, qui finit 10e. Donc, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il y aura de la place. Mais vous savez, les amis, vous avez l'expérience de ça, vous qui traînez, j'imagine, de temps en temps du côté de la patinoire de Pôle Sud ou bien d'ailleurs en phase finale, généralement, tous les compteurs sont remis à zéro puisque, l'équipe qui se classe, on a l'exemple dans la vie traditionnelle hein, on se souvient notamment l'année dernière que la Caroline avait sweepé la meilleure équipe de la phase régulière dès le premier tour. À ce titre-là, on a envie de dire que les statistiques n'ont plus beaucoup de sens, j'en sais, mais toutefois, on va quand même en donner une ou deux. Hein. C'est notamment l'importance de surveiller cette force de frappe offensive de l'équipe de Whoopipassi. Qui a marqué 131 buts en phase régulière, ce qui en fait la quatrième meilleure équipe de toute la ligue sur ce point statistique. Ouais, avec deux garçons qui sont à 45 buts inscrits et un qui complète même avec 42 passes, donc ça fait beaucoup. Une première ligne assez redoutable, hein, 45, 45 et 30 buts. Alors, je n'ai pas fait le total des assists qui vont avec, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Autant dire que la défense grenobloise et le gardien Péan devront se démultiplier. On les a vus très forts, il va falloir continuer à être un minimum à ce niveau. Pour ces deux premiers matchs. Alors, il y a une notion qui est toujours prépondérante dans le hockey traditionnel comme dans le hockey e-sport, mais qui ce soir va prendre encore plus d'importance, ce sont les gardiens de but. On a du côté finlandais un gardien qui est à presque 81% d'arrêt en phase régulière. Alors, dans une statistique de hockey traditionnel, c'est très peu, mais en réalité, sur la scène e-sport, c'est un pourcentage qui commence à devenir causant, on va dire. Mathieu Péan, on ne le dira jamais assez, de par la qualité de sa saison régulière, mais aussi de par l'expérience qui est la sienne. Je rappelle que c'est un garçon qui joue sa huitième compétition continentale. Le gardien grenoblois a clairement une clé dans cette série et on va énormément compter sur lui.
Ouais, il a été présent hein, depuis le début de la saison. Il a fait gagner beaucoup de points à son équipe en faisant des arrêts de toute beauté, comme on dit. Et là, il va être très, très sollicité. C'est aussi le dernier défenseur, mais j'allais dire presque le premier attaquant, parce que c'est lui qui va donner le tempo un peu de l'attaque grenobloise et des sorties de zone. Donc, une grosse responsabilité pour Péan ce soir. Attendez, je vais nous débarrasser des imbéciles, ça fera de la place. Alors, comment il s'appelle lui? Ah, oui, c'était. Bon, donc une équipe finlandaise, a priori. Oui, j'ai bien absolument. Compris. Ah oui, ou puis pas si. Alors, ça veut dire pas se lever, les amis, pour ceux qui l'ignorent. Hop. Alors, pendant que la modération modère... Voilà, tout à fait. Merci Jean-Paul de prendre le relais. Les matchs d'hier hein, ont été repoussés à ce soir. Du coup, ce qui change un petit peu le planning. Les Grenoblois qui vont jouer deux matchs aujourd'hui, deux matchs demain, me semble-t-il, et trois dans une troisième journée. C'est comme ça qu'était prévu initialement le calendrier. Alors, je ne sais pas si... Si du coup ça va changer, est-ce qu'on va garder le 2-2-3 certainement. Au calendrier ? Ouais. Théoriquement c'est 2-2-1-1-1. Ah, alors du coup moi j'avais 2-2-3 au départ. Bon, peu importe, en tout cas ça va être intense. L'important aussi hein, aujourd'hui de ne pas prendre trop de buts, on l'a dit, et puis aussi de bien regarder son adversaire. J'imagine, je ne sais pas si tu sais, si les Grenoblois ont un petit peu observé, trouver des bouts de match. Oui, oui, les Grenoblois ont une constante quant au scouting des rencontres des équipes contre lesquelles ils vont jouer. Mais la question, on reviendra toujours à ça, j'en sais, sur un scout, sur une, on pourra faire les repérages les plus précis possibles, on pourra prendre les notes les plus avisées qu'ils soient, ce qui est... Encore une fois, ce qui fait la magie des playoffs, c'est que tout est possible. On a vu hier, et d'ailleurs la série Tourangelle nous l'a montré hier, on a vu en premier match une équipe de Tours en difficulté face à la défensive de l'équipe de DuckTales. Et finalement, à l'opposé, au deuxième match, les Mouches ont changé d'âne, les Tourangeaux pardon, ont réussi à passer devant assez tôt dans le match, ce qui leur a permis de conserver la main. Toutes ces petites choses vont compter. Ce soir, les classements, encore une fois, je le répète, les classements en phase régulière n'ont plus d'importance, puisque quiconque peut battre, n'importe qui peut battre n'importe qui. Et à ce compte-là, on va être très attentif. On a déjà eu d'ailleurs dans la division Néo une équipe fort mal classée qui a éliminé son adversaire. Là d'ailleurs, je regardais un petit peu les premiers matchs. Piraka, qui était dans la poule de Grenoble, qui a fini 8e du ranking, était à deux manches partout avec Tic Tac Toes. J'aurais préféré lui, c'était plus simple à dire, qui lui a fini 25e. Donc effectivement, tout est possible. On va aussi rappeler que les Tourangeaux ont joué dans la poule de Huipupassi. Ouais. Et ils avaient partagé les points. Ouais. Tours s'était imposé en overtime et s'était incliné dans le premier match. Alors il y avait bien sûr des épouvantails, mais Sack Brothers semble en être un, EBR semble en être un, mais la phase régulière des Tourangeaux là encore a permis de montrer que personne n'est imbattable. On va se focaliser sur les détails ce soir. On va aussi regarder l'alignement bien sûr, puisqu'il bien vous avez pu vous en apercevoir, il a été remanié pour ses phases finales. Adrien Franklin, et j'en suis désolé pour toi, mon Jancé est de retour à gauche. C'est Alexandre Lavigne qui aura la charge du centre, alors que Thomas Crony, le capitaine des voleurs de loups, sera sur la droite. Maximilien Trommer retrouve sa place initiale en défensive à gauche, alors que Raphaël Merle prend la place habituelle qui est la sienne à droite. Et de tout ceci, évidemment, devant Mathieu Péan, le gardien de but de l'équipe de Grenoble. Les deux équipes devraient plus trop tarder. Alors par contre, moi, j'ai pas le... Moi non plus, j'ai pas le partage. Hop. C'est Mathieu Péan qui sera en interview avec nous à la fin de la rencontre, d'ailleurs, les amis. Si le cœur vous en dit. Alors, partage.
The Who, c'est My Generation, pour les jeunes là, qui sont en train de se... d'apprendre l'anglais. écoutez My Generation, vous verrez, c'est un bon titre. Alors, ouais, moi non plus, je suis pas encore partagé. Voilà, voilà. Non, j'ai une question. Si jamais un des joueurs là, a un problème, je sais pas, un orage ou la console qui grille, est-ce qu'on peut faire rentrer Pelletier sur le deuxième match ou... Ah, oh, tu crois où là? Excusez-moi, les amis, un supporter a envahi le terrain. Pardon, donc est-ce que Pelletier peut rentrer? Bah, alors, entre les deux matchs, on peut changer l'alignement. D'accord, mais pas en cours de match. Non, parce que le... Pardon, excusez-moi, la règle est très claire en fait. Si jamais il y avait une déco, hop, ça y est, moi j'ai reçu le partage. Si jamais il y avait une déco en cours de match, on doit reprendre avec l'effectif. Oui, là où ça s'était arrêté. Voilà, là où ça s'était arrêté, avec les postes, avec les attributs de joueurs, avec les profils de joueurs et avec les attributs de joueurs. Alors, il est arrivé qu'il y ait des cas très exceptionnels par le passé, cas de force majeure, là où sur les cas duquel le board a eu à se prononcer, mais très généralement, on est quand même assez attentif au respect de cette règle fondamentale. Alors, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. Tant pour les Tourangeaux que pour les Grenoblois, en raison d'une quelconque décès, d'une quelconque déco, pardon. Ça devient compliqué dans le quart régie, là. Il faudrait peut-être évacuer les supporters qui font du bruit, s'il vous plaît. Les deux équipes sont en matchmaking. Le match va bientôt commencer dans un instant. Mais on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Donc, si on en a un ce soir, on estimera que c'est de ta faute. Voilà. Oh, allez, c'est parti. du coup, les Finlandais qui sont bien là. Ouais, c'est bon. Ah, alors que le match. Il y a eu un petit problème là dans le matchmaking. Mais écoutez, on va voir ce qui se passe. Trompé de patinoire. Ah, peut-être que on. Ah bah, il manquait Froli. Très bien. Petit bug. Ouais, eSports, c'est ses bugs éternels. Ça, c'est une. Enfin bon, écoutez. En tout cas, une fois encore, nos sincères, puisque l'un des centres, et non des moindres, la vedette, Alexandre Delanoë, nous écoute du côté de Tours. Eh bien, hommage et félicitations aux Remparts pour leur belle entrée en lice hier soir. Hein, la série était piégeuse, surtout après ce premier match, et les garçons ont brillamment su inverser la tendance. On saluera notamment sur le deuxième match l'exceptionnelle partie de Tristan Viard, qui n'a pas eu certes à faire face à beaucoup de lancers, mais c'est certainement tout aussi difficile de n'avoir que 4 ou 5 shoots par match et de les savoir les repousser avec brio. Donc hommage à l'équipe de Tours et à son gardien de but qui, je vous le rappelle, sont à égalité un partout dans la série entre DuckTales et Tours. Les amis, cette fois je pense qu'on va pouvoir y aller. Le prochain match de Tours, c'est demain soir et vendredi soir pour les Grenoblois, ce qui nous promet une soirée en famille de toute belle qualité. Alors que la supportrice a un nouveau investi le quart régie, bouchez-vous les oreilles. C'est les ultras, c'est compliqué. Ah là là, les ultras sont difficiles à gérer. Excusez-moi. Oli sans histoire. Bim, la sanction est tombée. Du côté de la commission de discipline familiale, ce sera Oli sans histoire, les amis. Ouais. Allez, les deux équipes, je vais mettre le son, ça va mettre un peu plus d'âme dans cette partie. Souhaitons très bon match à l'équipe finlandaise de Whoopipassi, en espérant le prononcer comme il faut. Et souhaitons très bon match à l'équipe de Grenoble. Le face-off pour Alexandre Lavigne qui le récupère, Adrien Franklin qui va s'amener pour la première entrée en territoire adverse. Et ce sont les Finlandais au maillot noir et orange qui se saisissent de la rondelle. Ouais, c'est le côté Laval des Finlandais, les Grenoblois qui vont pouvoir repartir par leur centre malheureusement au Perle Palais. La première opportunité pour les Finlandais, ça va. L'ouverture du score sur ce palais perdu dans une transition. Manqué en zone neutre, les joueurs adverses
ouvre la marque, j'en sais, sur la première tentative. J'ai envie de dire, non seulement de leur côté, mais du match. Une 47 de jeu, première opportunité et premier but. On a vu tout de suite qu'il va falloir se méfier de ces attaquants qui en ont mis des sacs pendant la saison régulière. Et là, les Grenoblois qui se présentent pour l'égalité, c'était vraiment pas loin. Belle réaction de Lavigne sur une entrée en zone de Thomas Kronik qui avait été initialement servi par Raphaël Merle. Le voici, Raphaël Merle au contact, les Finlandais qui sont pressants et 2-0. Eh bien les amis, ça ne traîne pas. Remarquez, le dernier match de Grenoble, les Brûleurs de Loup ont été menés 2-0 très tôt dans la rencontre, avant de finalement s'imposer 3-2. Il va évidemment falloir, j'en sais, immédiatement se remettre la tête dans le bon sens pour ne pas prendre une valise d'emblée, parce que ce serait une façon assez peu... le but d'Alexandre Lavigne qui ramène l'équipe à hauteur avec ce lancer un petit peu vicelard, il faut bien le dire, mais il fallait la tenter, un palais à la cage et toujours un bon palais, l'adage se confirme, j'en sais. Ouais, alors très peu de temps de jouer, 5 minutes virtuelles on va dire, et déjà 3 buts, ça va être, si c'est comme ça tout le match, on va finir à 15-14. Et pourquoi pas les Grenoblois qui doivent maintenant faire plus attention en défense, les Finlandais qui auront eu 2 tirs de but, ça fait quand même... Je pense que pour l'instant les deux gardiens sont à 0% d'arrêt. Si le gardien finlandais a eu un arrêt de la botte sur le premier tir du match, mais derrière encore une opportunité peut-être pour les Finlandais. Belle défensive de Trommer. Attention à ce palais, cette fois il est récupéré par Thomas Kronier. Pressing là des joueurs finlandais, le palais qui traîne à nouveau dans une crosse et qui est Mathieu Péan n'a pas réussi à se saisir de la rondelle. Interception, attention à se lancer en bas de la cage et l'intervention de Mathieu Péan, mais c'est pas terminé. Et cette fois on s'en sort du côté de Lavigne et de Franklin. Allez, pourquoi pas les Grenoblois, on va s'emplâtrer un petit peu sur le dernier défenseur, mais on est tout de suite devant la cage de Péan. Ça va très 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 vite du côté finlandais. Ça va être fort à l'amour pour Péan. Ouais. Il va falloir qu'il soit concentré tout au long de la partie. 10 minutes dans le premier tiers et 2-1 pour les Finlandais. Ce sera également important du côté des Grenoblois de ne pas se laisser emporter par la fougue que semble vouloir mettre en termes de timing, en termes de tempo que ces Finlandais semblent avoir l'intention d'imprimer. Il faut être en capacité de contrôler aussi le rythme du jeu. Ça, c'est une donnée prépondérante, parce que sinon on passe son temps à courir. Et non seulement c'est fatigant, c'est fatigant moralement, psychologiquement bien sûr, mais surtout c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux parce qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport au palais qui va plus vite que vous. Du coup, il faut le garder dans les crosses. Voilà, les Grenoblois qui ressortent de manière propre et on va pouvoir aller côté gauche, un peu l'embouteillage. Le palais qui va être perdu. Attention, de nouveau, Péan qui va être soumis à rien du tout. On est bien revenu, mais on perd le palais. C'est compliqué pour l'instant devant les cages grenobloises. Oui, c'est tendu parce que chaque erreur est immédiatement exploitée. On a une équipe finlandaise qui n'est pas du tout attentiste défensivement. Ils sont au pressing, même s'ils ont l'impression l'impression d'opter pour une défense de zone. Ils sont en réalité très très pressants sur le porteur du palais. C'est un système défensif, ma foi, assez original, parce que c'est une trappe qui n'en a pas l'air. C'est un individuel qui n'en prend pas le nom. Et à ce titre-là, eh bien, c'est un défi qui se présente devant les Grenoblois et un dégagement interdit à venir. Ouais, dégagement interdit à venir, c'est dommage. C'était bien, bien joué. Les Grenoblois qui vont être obligés de changer aussi un petit peu leur manière d'attaquer. On passe souvent par les côtés, du côté de Grenoble. Et là, on voit que ça ne passe pas pour l'instant. On va essayer de partir plutôt sur le centre. Et Péan, impeccable. Voilà, les esprits se sont un petit peu calmés, même si ça continue à aller vite. Et Péan qui a pu toucher un petit peu le palais. Grenoble dans sa zone défensive. Allez, voilà Maximilien Trommer, j'allais dire Julien Pelletier par habitude, mais non. Raphaël Merle qui transmet, la rondelle sera trop profonde et nous aurons à nouveau un dégagement interdit. Si vous êtes arrivé en retard, eh bien tant pis pour vous les amis, puisque les 3 premiers buts de cette rencontre ont été marqués dans les 5 premières minutes de la période. 2-0 pour les Finlandais avant que Lavigne, sur l'un des rares, une des rares tentatives grenobloises, a réduit la marque. Attention, les Grenoblois là, qui vont peut-être se proposer devant la cage. On n'arrive pas encore à bien se trouver au niveau des passes. Et par contre, les Finlandais, eux, c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus limpide.
offensivement, même si là les Grenoblois arrivent à se sortir de leur zone, on perd rapidement quand même le palais pour l'instant. Le constat, c'est que les Finlandais ont le monopole du puck. Oui, clairement, et le monopole aussi du rythme. Et c'est plus cette donnée-là qui a tendance à m'inquiéter, parce que bon, globalement, Grenoble est en capacité de répondre à n'importe quel moment. Mais là, une fois encore, là, les Finlandais qui rentrent. On va faire le tour de la cage, non, on va temporiser. Attention à se lancer, Mathieu Péan, une nouvelle fois, qui parvient à s'interposer. Le palais va sortir de la de l'aire de défense des Grenoblois pour les toutes dernières secondes de la période. Mais en tout cas, il y a déjà, j'en sais, un avis de tempête sur la cage de Mathieu Péan. Et les garçons vont avoir des choses à se dire pour essayer de trouver une réponse tactique à cette opposition puissante et constante qui leur est proposée. Oui, ça a été très très vite, hein. Je ne sais pas, à part les mises en jeu pour les buts, il y a eu un ou deux dégagements interdits, mais c'est tout. C'est un premier tiers rapide et où les Grenoblois ont failli perdre la tête à la tournée dans tous les sens. Finalement, on s'est un petit peu plus stabilisé. On est quand même mené, mais on va se dire qu'au bout de 1 minute, allez 2 minutes, on avait peur d'en prendre une valise. Hein. Ouais. Heureusement que la réduction est intervenue de suite. Il est magnifique ce but là d'ailleurs. Ouais. Alors l'intersaison, pour répondre à la question qui nous est posée, c'est une question qui reste en suspens, puisque l'information essentielle est de savoir sur est-ce que NHL 21 va sortir sur PS4. Si oui, quand? Est-ce qu'il sortira directement sur PS5? Ça serait plutôt la tendance, pour tout vous dire, dans les petites indiscrétions qu'on arrive à avoir du côté du board d'NHL Gamer. Donc ça, cette question est en suspens. En tout cas, ce qui est certain pour répondre à la question de Poupouille, c'est qu'il n'y aura pas de compétition continentale officielle, a priori bien sûr, avant le mois de septembre, puisque traditionnellement l'été est réservé à la Summer Cup, qui est une compétition où tous les joueurs NHL Gamer sont mélangés. On récupère les joueurs sur un système de draft et les tout meilleurs joueurs européens jouent avec des joueurs d'un niveau un peu plus modeste contre des équipes qui sont construites sur le même principe. Je ne pouvais pas être plus complet, je pense. Non, c'est très intéressé. Oui, la GCL ne concerne Bob que la GCL ne concerne que les équipes allemandes, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, si c'est bien de cette compétition dont tu parles, la PS5 elle est prévue pour décembre. Ouais. Le problème, c'est que la PS5 a été le nombre de machines disponibles à la sortie a été considérablement ramené vers le bas pour les raisons que vous connaissez de l'actualité du Covid. Mais c'est vraiment la grande incertitude, hein, en ce moment autour de toutes ces questions. Et pourquoi pas faire une saison PS4 NHL 2020? Ah, c'est une possibilité, mais c'est ce qui risque de se passer. Mais je te dis, voilà, très belle mise en échec là de Lavigne. Les Grenoblois qui commencent à répondre aux défis physiques, c'est peut-être ça l'une des clés de ce match. Attention à ce système défensif vraiment très étrange, mais intéressant. Les Grenoblois qui n'ont pas encaissé de but dans les 3 premières minutes, c'est déjà bon signe, et qui peuvent essayer de récupérer, oui, oui, et se porter à l'avant. Mais là il y a un contre, attention, parce que on a bien défendu. Hein. On a bien défendu. Belle défense. Vrai, on a trouvé la mesure quand même. On a semblé effectivement hausser son niveau de jeu du côté. On reparlera de tout ça, les amis, si le sujet vous intéresse, dans l'après-match, pourquoi pas. Aucun problème, c'est un thème qui est très intéressant, hein, qui concerne tout le monde en plus. Donc la PS5, NHL 20, NHL 21, le CL 11, tous ces sujets, si vous êtes d'accord, les amis, on se les garde pour après le match. On en parlera d'ailleurs avec Mathieu Péan, qui viendra nous donner. Oh, Franklin, il n'a pas pu. Je pense qu'il a été surpris de récupérer ce palais à cet endroit et dans cette position. J'en sais, c'est dommage parce que là, ton joueur préféré avait la balle d'égalisation. Ah oui, là, Franklin qui joue à Tchou Piu Piu Piu, c'est sûr que tout était c'était le combo parfait. Les Grenoblois qui étaient pas loin, il faut continuer parce que là, c'est de nouveau devant le gardien. Ah, c'est pas mal ce que font les Grenoblois là depuis une grosse minute. C'est peut-être ça la solution, hein. C'est peut-être tirer de loin pour les obliger à reculer et à occuper un peu moins la glace. Allez, Lavigne qui concède ce face-off. Quand ils partent lancer comme ça, ils créent le danger tout de suite. Ouh, le centre. J'aurais dû m'arrêter plus précautionneusement sur la classe de
sur la classe de joueurs, peut-être que Ronny ou Mika ou quelqu'un de la commu a regardé, ils m'ont l'air bien véloces, ces joueurs finlandais, et je serais pas étonné qu'on ait un ou deux francs-tireurs dans l'alignement d'en face, parce que les garçons, ils ont quand même des fusées sous les patins. Je suis pas certain qu'il y ait que des attaquants de puissance et des agitateurs de l'autre côté. Attention à cette première supériorité numérique et l'arrêt de Mathieu Péan. Ouais, les Grenoblois qui effectivement semblent un petit peu moins rapides peut-être que les trois attaquants finlandais, mais ça veut aussi dire que on peut avoir d'autres atouts. Peut-être qu'au fil du match, les Grenoblois vont aussi imposer un jeu un peu plus puissant, un peu plus technique. On va suivre ça. Péan devant son slot qui voit le palais passer, les Grenoblois avec Franklin qui vont pouvoir se dégager et peut-être même aller devant le slot adverse. Oui, il faut peut-être jouer la déviation. Le palais toujours Grenoblois. Ouais. Dommage. Dommage, dommage. Allez, palais pour Raphaël Merle qui va gagner la précieuse seconde. On va bientôt en terminer de la pénalité appelée à Maximilien Trommer. Se coordonner sur la sortie, mais les Finlandais se sont déjà évidemment replacés. Trommer, il a pris une pénalité qui risque de durer ce soir. Hein. Il n'est pas sur la feuille. Pardon? Mais t'as dit la pénalité de Trommer? Oui, tout à fait. J'ai dit la pénalité de Trommer. Ah oui, Trommer, il est arrière gauche. Ouais, voilà. Bon, alors le match a commencé depuis 10 petites minutes déjà quand même. Mais moi, c'est Pelletier dans ma tête depuis le début. Ouais. Hein. Mais tu peux allumer ta télé éventuellement, tu vas voir, c'est plus pratique quand même. Hein. Mais bon, après, je dis ça, je ne dis rien. Mais... Voilà, c'est Trommer, donc ça, c'est celui qui vient de balancer le palais au fond, c'est Maximilien Trommer. Je suis tellement habitué à le voir à centre que toi, je l'ai enlevé de la feuille. Les Grenoblois qui vont pouvoir sortir, c'est cette passe là qui est compliquée pour l'instant pour les Grenoblois avec un nouveau tir. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est souvent la troisième passe Grenoblois qui les met en difficulté. Oui, et puis ce qui les mettra surtout en difficulté, c'est que tant qu'on est en infériorité numérique, on a quand même peu de chances de revenir au score. Et même si les vagues finlandaises ont donné l'impression d'être un peu plus moins percutantes, et bien la. Pour l'instant, le temps tourne à l'avantage des Finlandais. Alors qu'on en termine cette fois de la pénalité à Alexandre Lavigne, il va falloir retrouver de la discipline, les garçons, dans cette fin de rencontre. Oh là 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 là. L'arrêt de Péan est magnifique. Hein, parce que là, je le voyais bien cadrer ce palais. Allez, il faut avoir maintenant des certitudes du côté de Grenoble. On a résisté. Défensivement, il faut continuer à porter le danger comme on l'a fait en début de deuxième tiers. On s'est mis en gardien à deux reprises. Il faut se remettre dans ces situations. Allez, voici peut-être. Ah, ils sont vraiment. Ils sont très très bien en place quand même dans leur système défensif hybride que l'on pourrait présenter comme ceci. Hein. C'est une trappe, mais voyez tout de suite, on vient au pressing. C'est peut-être une faute ou nette, non, à estimer, monsieur l'arbitre. Toujours pas. Pas de faute ou nette. Très bien. Allez, Merle, attention à couvrir la passe et la repasse. Et Mathieu Péan était là. Parfait. Ah, c'est rapide, génial. Mais c'est souvent la même chose hein, du côté des attaquants finlandais. Je pense que l'expérience de Péan va aussi faciliter peut-être les choses. Il faut continuer comme ça maintenant, offensivement, montrer un peu plus. Les Grenoblois qui récupèrent le palais. Attention, c'est quand même, ça reste dangereux. Hein. Attention à cette rondelle qui reste lancée à côté du cadre de Mathieu Péan. Dernière minute de la seconde période, Grenoblois toujours mené d'un but, mais qui vont peut-être se présenter devant le portier adverse. Attention, voilà, la vigne derrière, difficile cette rondelle, Franklin qui est à nouveau en contrôle du palais, mais c'est une prise à deux en défensive derrière la cage, c'est quand même c'est tordre le cou à tous les principes de base du hockey, mais ça fonctionne. Il y a une règle qui dit qu'un défenseur ne doit jamais aller chasser derrière sa cage, et ben là les Finlandais ils sont allés à deux. C'est assez hors du commun, mais ça a l'air d'être complètement payant. En tout cas, dans tous les compartiments du jeu, à l'exception des mises au jeu, on est à un relatif équilibre. J'en sais, Grenoble est dominé de la tête et des épaules. Ouais, là les statistiques. Elle parle un petit peu d'elle-même, hein. 15 tirs à 4, ça fait beaucoup. Un pourcentage de passes des Grenoblois à 70%, c'est j'allais dire la moyenne basse tolérable, mais alors c'est vraiment limite. Hein. 70, ça commence à pas faire beaucoup. Cela dit, les adversaires sont pas non plus dans un pourcentage trop élevé.
C'est non. peut-être aussi la vitesse hein, qui explique ça. Oui. Allez, une troisième période qui s'amène un seul but d'écart. Cela dit, une fois qu'on a dit toutes ces choses au sujet des chiffres, eh bien, ramenons quand même tout ceci à la réalité statistique du tableau d'affichage, puisque Grenoble n'a qu'un but de retard et qu'il est largement possible aux garçons de Thomas Cronier d'inverser cette tendance. Voici Franklin, notamment Cronier, justement, qui... qui a là, une chose un petit peu inhabituelle. Merle, sous pression systématique, hein, la pression des adversaires, elle est constante, n'importe où sur la glace. Dès qu'un joueur français est en possession du palais, il est immédiatement mis sous pression. Alors attention, le tour de cage là des joueurs finlandais, on est bien revenu hein, du côté de Péan, mais on sollicite tout de suite le gardien grenoblois. Pas de contrôle, un tir direct. Oh là là, ça fait trois fois que le palais passe tout près. Il faut se sortir de cette zone là, les grenoblois qui n'y arrivent pas. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir passer. Voilà, c'est plutôt bien fait ça. Aller chercher le centre pour la déviation. Non, on revient sur soi. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Derrière c'était bien la joué. Ça. Pardon. Ça, c'était bien joué parce qu'il avait fait le bon choix de rejouer première intention au poteau ouvert. C'est un jeu que les équipes finlandaises notamment affectionnent tout particulièrement. Et on sait très bien le faire du côté des remparts de Tours, entre la connexion entre Delanoë et Oja. Elle est notamment basée sur cet aspect spécifique du jeu. Attention à la contre-attaque finlandaise. Allez, ne pas encaisser de but maintenant. Il faut repartir vers l'avant. Là, ça c'est bien fait. On temporise avec. Dommage parce que c'était plutôt bien fait. Les Grenoblois qui arrivent à bien récupérer le palais et qui vont pouvoir se projeter collectivement vers l'avant. Cromer qui envoie au fond, on va récupérer Spock, mais c'est finalement si la vigne. Non, malheureusement Merle n'était pas à son poste habituel pour pouvoir intercepter cette rondelle et l'empêcher de sortir de la zone. On est j'en sais dans les 10 dernières minutes de la rencontre et les Grenoblois sont menés d'un but. Et on, pour l'instant, en étant parfaitement neutre et objectif, on a du mal à voir comment se sortir de cette ornière. Ah, je te dirais bien un tir de merle à la bleue, mais pour l'instant il faudrait être dans la bonne zone et c'est pas le cas, même si là Merle va peut-être réussir à sortir le palais, mais on le perd immédiatement. On sait hein, que les Grenoblois ont des armes hein, au niveau notamment de la ligne bleue, mais pour l'instant on ne les voit pas se mettre en position de tir. Là peut-être la déviation. Dommage. C'est dommage. Jouer. C'était une belle tentative là, ouais, de jouer dans l'enclave. Avec une petite passe levée, très belle interception de Maximilien Trommer. Exactement, tout à fait, une passe levée, puisque c'est ainsi la traduction littérale du nom de nos adversaires du soir. Upi Passi veut dire passe levée. Il y a des mecs qui se creusent la tête quand même pour donner un nom à leur équipe. C'est assez remarquable, mais enfin écoutez. Ça peut-être que ça veut dire autre chose aussi en finlandais. Moi, je ne suis quand même pas très à l'aise avec cette langue assez particulière qu'est le finnois. Mais bon, reste que pour l'instant, ça fait quand même 2-1 pour les passes levées. Ouais, Grenoble qui s'est mis à qui a élevé un petit peu son niveau de jeu. Hein, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Hein, oulala, ouais. Qui relâche le palais, qui va être obligé de s'en saisir dans un deuxième temps. 4 minutes 57 à finir le match. C'est pas français, ça. Avant la fin du match. Ouais. Compliqué hein, l'équation quand même, même s'il n'y a qu'un but pour l'instant, on voit difficilement en tout cas les Grenoblois aller l'inscrire. Allez, face-off gagné par la vigne avec Raphaël Merle. Merle qui transmet pour Franklin. Les garçons, attention à la synchronisation dans la neutre. C'est déjà pas simple de pénétrer. Et là, évidemment, un hors-jeu malheureux. Allez, encore une opportunité pour les Finlandais. On va aller chercher derrière la cage, on va le récupérer. Là, on est bien bloqué, voilà. Peut-être comme ça qu'il faut sortir avec l'opportunité pour les Grenoblois. Ouais, il y a un peu trop d'altruisme là du côté du capitaine grenoblois. Il a malheureusement tenté la passe vers Merle. Alors, on joue un dump and chase, mais malheureusement, sans aucun synchronisme. C'est manqué, voici les joueurs finlandais qui récupèrent cette rondelle. Allez, dans récupérer le palais. Récupérer le palais, lancer à gauche, il est prêt. Allez. Le joueur grenoblois. Non. L'idée était là, mais
La réalisation, pas du tout. Grenoble, pour l'instant, n'ayons pas peur de le dire, ce n'est faire injure à personne, se fait marcher dessus. Les statistiques le prouvent. Et il va falloir d'abord, gagner ce face-off et voir ensuite qu'en faire dans cette dernière minute, qui, je le rappelle, puisque je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, est en temps intégral. Donc ça, c'est important. Tout peut arriver encore, les amis. Il reste suffisamment de temps pour aller cartonner le gardien adverse et les forcer à la prolongation. Allez, la vigne. Récupérer le palais, surtout le récupérer, se projeter vers l'avant, peut-être moins calculer, essayer de mettre du danger devant le slot adverse. Et pour l'instant, ce sont les Finlandais qui se procurent encore une opportunité, mais Grenoble qui va pouvoir récupérer pour aller chercher directement au centre. Ouais, ça s'est refermé sur l'attaquant grenoblois. Ouais, parce que là ils avaient joué vite, les grenoblois, ils avaient joué vite et juste de Trommer vers Cronier, mais malheureusement tout de suite cette regardez, trois joueurs qui viennent fermer, c'est quand même assez hors du commun. Merle, tour de cage qui ne fonctionnera pas. Franklin, il reste 25 secondes. Raphaël Merle, les grenoblois sont installés. Grenier, le revers de Trommer, 15 secondes, il en restera une. Là, il faut faire sortir Mathieu Péan, je pense, les amis, parce que c'est ce que vont probablement non pas faire les Grenoblois. Ouais, les Grenoblois qui auront accusé trois fois moins de tirs que leurs adversaires, même si depuis passé les 5 premières minutes de la game, il y a 0-0, hein, on a tenu du côté de Grenoble. Hein. C'est rageant ces deux buts sur coup du coup. Ouais, il faut absolument gagner l'engagement là, ça c'est absolument vital. Et puis après selon les préférences de chacun, il faut mettre à la cage très vite, au risque de se faire tourner, ou alors il faut capitaliser, installer jusqu'à trouver l'ultime ouverture. Le filet est déserté par Mathieu Péan. Le face-off est gagné. Trommer. Et Trommer qui vient percuter Merle. On n'arrive pas à trouver la solution. Et je crois que c'est 5 secondes de la fin. Oui, qui vient égaliser le but, les amis. Eh bien, Alexandre Delanoë a été l'oiseau de bon augure, puisqu'il a rappelé qu'en saison régulière, les Tourangeaux avaient égalisé à la dernière seconde. Et l'égalisation de Cronier sur ce lancer de Trommer. On peut reboucher les bouteilles de champagne du côté d'Helsinki. Il faudra patienter encore un petit peu, puisque les deux équipes vont aller en prolongation pour départager. Là, le momentum a changé de camp, a changé de visage, j'en sais. Et il va vraiment falloir capitaliser sur ce but à la toute dernière, à la toute fin de la période. Le but est magnifique, hein, et on l'avait dit, ça peut peut-être venir d'un tir à la bleue. Les Grenoblois excellent dans l'exercice. Ben voilà, ils ont réussi à tromper la vigilance des Finlandais. On a eu très chaud, mais tout repart à zéro. Oui. Et l'équation est simple, hein, le premier qui marque a gagné. Autant dire que c'est du 50-50 ou presque. Attention quand même à la petite piqûre des Finlandais, c'est qui tout double. Hein. Soit ils ont la tête dans le seau et qu'ils étaient déjà déconcentrés, soit ça va bien les énerver. En tout cas, Grenoble qui, au niveau des stats, s'en sort plutôt bien, mais après tout, seul le résultat compte quand on est en playoff. Pour répondre à la question, un match BDL Rempart, c'est prévu. Puisque les deux présidents se sont mis d'accord à l'antenne l'autre soir sur la chaîne Twitch des Remparts avec j'en sais à mes côtés d'ailleurs. Le match entre Grenoble et Tours aura certainement, même une série je pense entre Grenoble et Tours aura bien lieu dans les semaines qui viennent. La prolongation en playoff prend un caractère toujours plus dramatique. Les amis, cœur et âme sensibles, abstenez-vous des minutes qui vont venir parce que ça va être l'ascenseur émotionnel. Voici les joueurs finlandais qui seront les premiers sur le palais. Mais il est récupéré après une passe un peu étrange, dirons-nous. Allez, la défense en priorité, la défense. Tu as le droit d'attaquer, mais tu as le devoir de descendre, de défendre. M'a-t-on souvent dit du côté de mon coach lorsque j'étais un jeune hockeyeur. Et c'est une notion encore plus prépondérante lors des playoffs. Allez, voici les joueurs finlandais. Belle défense justement de Merle qui permet à Cronier de récupérer la rondelle.
Allez, on va pouvoir repartir. On est rentré en zone offensive. Attention, ce palais qui va être perdu du côté des Grenoblois, les Finlandais qui s'en débarrassent. Mais à la course, il faut être sérieux et engagement refusé. Voilà, Grenoble qui me paraît être un petit peu plus haut sur la glace et qui lit un petit peu mieux aussi ce jeu offensif finlandais. Allez, merci Chamkos pour ce rappel de mon grand âge, ça me fait toujours plaisir. Ah, la faute en zone offensive. Ah non, elle est grenobloise. Oh, pardon, je présente mes plus sincères excuses à Alexandre Lavigne que j'allais vertement se moncer d'une faute en zone offensive alors que c'est lui qui a été accroché. Toutes mes excuses, mon coco, parce que là, pour moi, c'était sifflé contre toi. Allez, merde, le lancer de merde sur la cage et sur le gardien de but. Bien joué, attention, parce que là, en vitesse, on l'a dit, hein, les attaquants finlandais sont très rapides. Merde, là, qui arrive à temporiser. On va ressortir le palais proprement et réessayer d'installer le jeu de puissance, même si là, c'est pas la meilleure passe. Pas de faute, allez, tout de suite. Il y en a un qui est aux fraises. Ça fait 3 en face seulement, il faut en profiter. Les garçons, allez, faut rentrer. Voilà, il est rentré. Avec Franklin, qui va prendre le lancer. Malheureusement, peut-être un petit peu prématuré dans une situation d'avantage numérique. Un gardien de ce calibre me paraît difficile à déjouer, même si c'est vrai, finalement, tout à l'heure, j'en sais, Lavigne sur le premier but grenoblois, et bien après un shoot que l'on aurait pu penser difficile, et bien qui est rentré. Alors après tout, pourquoi pas, finalement, un palais à la cage est toujours dangereux. Un palais à la cage est toujours dangereux, et là, et malheureusement, les grenoblois qui voient la supériorité numérique finir. Attention à la sortie de prison, voilà, donc c'est bon, on va pouvoir récupérer le palais. 13-50 à jouer encore dans cette première prolongation, 7 minutes plutôt de jouer, c'est plutôt dans ce sens qu'il faut le lire. Du coup, les grenoblois qui résistent, qui se sont même procuré les opportunités, mais là le palais il est finlandais. Et les Finlandais qui sont sur la cage de Péan, mais Grenoble a su faire tourner le momentum de ce match. Il faut capitaliser là-dessus les amis, absolument. Avec Ronny à la cage, c'est détourné par le gardien. Deux joueurs français maintenant derrière la ligne de but. Récupération finlandaise. Allez, Grenoble qui peine sur ses longs dégagements finlandais, mais heureusement, le dégagement sera refusé. Ils font plus de hors-jeu que d'habitude. Bon, j'ai pas la sensation que Grenoble soit plus pénalisé que d'habitude, mais je ne saurais le dire. Lavigne qui a concédé la mise au jeu. Avec Merle face à son vis-à-vis, Trommer sera le premier. Oui, parce que Trommer joue, hein, j'en sais au fait si tu me rejoins à l'instant. Ouais, tu fais bien de me le dire. Il est rentré Maximilien Trommer avec Alexandre Lavigne, toujours en contrôle du palais, c'est dommage. S'il arrive à s'emmener le palais là, ça devient gravement dangereux pour la défense adverse. Lancé, Mathieu Péan, impeccable. Alors je crois que les Finlandais, au bout de 2 minutes 30, ils se sont dit on va lui en coller 12. Et depuis, Péan, il laisse plus rien passer et c'est maintenant à son attaque hein, d'aller porter le danger sur la cage adverse. Grenoble qui doit encore faire face à ce tir. Attention, les Finlandais qui sont toujours dangereux. Allez, avec cette rondelle, attention à l'équipe finlandaise qui s'est faite oublier pendant quelques minutes alors que la faveur de l'avantage psychologique était grenoblois. Mais là, il ne faudrait pas leur en laisser une trop dangereuse sur la cage de Péan. C'est récupéré par Cronier. Ouais, les Grenoblois qui commencent à baisser un petit peu, à descendre en tout cas plus bas sur la patinoire, et du coup les Finlandais qui se montrent de plus en plus dangereux sur la cage de Péan. Faut continuer à garder le palais le plus haut possible. Ah, il est passé Merle. Ah, ils se sont gênés les deux garçons. Merle à nouveau en contrôle de la rondelle. Faire le tour de la cage. Mais ça, je crois que même le monsieur dans la travée du fond là-bas qui est en train de manger ses cacahuètes a pu voir arriver le mouvement de l'arrière grenoblois. Donc c'est vous dire si la défense et le gardien de but ont eu le temps de se positionner. Allez, continuez à mener le danger, à regarder ce qui se passe. Voilà, ça s'est bien joué. La petite volte, ce qui permet de libérer un joueur. Allez, coco. Oh, l'arrêt. Le poteau. C'est pas fini. Faute. Il en a mis des kilos, des caisses, des camions entiers, coco, Alexandre Lavigne, dans cette position qu'il affectionne si particulièrement. Et là, malheureusement, le poteau vient sauver le gardien finlandais. Que c'est dommage. C'était
le palais le plus brûlant de la période. Clairement, face-off concédé, les Finlandais au contrôle de la rondelle. Allez, on récupère tout de suite le palais du côté des BDL. On va laisser un petit peu tout le monde se remettre dans le bon sens pour remettre en place le jeu de puissance qui va permettre aux Grenoblois de porter le danger devant la cage du portier adverse. Moi, ça lagouille un petit peu. Ça lagouillotte. Ouais, et Grenoble qui perd le palais. Allez, le palais est envoyé au fond, justement. Il est récupéré par un joueur finlandais qui transmet à son coéquipier dans l'enclave. Et les garçons. Allez, une 18. La pénalité, attention, c'est très important puisque nous sommes dans les deux dernières minutes de l'overtime. C'est une pénalité en temps intégral et ça, les amis, je ne vous fais pas de dessin. C'est un cadeau, c'est une offrande. Il faut absolument, oh, déviation, capitaliser dessus. Vous avez encore une minute intégrale, messieurs, en avantage numérique. C'est énorme. Et des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent dans un match. Voici la vigne, malheureusement il est allé provoquer son adversaire qui l'a lu et qui l'a déjoué. Attention à ce danger là avec la carrière. Ça, c'est travaillé, c'est pas la première fois qu'ils le font, c'est vraiment dommage. C'est vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage que de concéder ce but là à cet instant dans cette configuration de jeu. Parce que les Grenoblois, ils étaient en train de faire tourner la rencontre à leur avantage. Mais, eh bien, c'est 1-0 ou puis passi dans cette série. Rien à dire, l'entame de match a été trop difficile du côté de Grenoble, malheureusement, même si on devra vanter les mérites psychologiques de l'équipe de Grenoble. Plusieurs pénalités, dont celle-ci, malheureusement, qui n'ont pas pu être concrétisées, j'en sais. Et au final, eh bien, l'addition, elle est nette, elle est sans appel. Ce sont les Finlandais qui s'imposent dans ce premier match. Oui, il y a pas de. On peut qu'on perde 3-2 en prolongation ou 12-0 en temps réglementaire. Au final, ça fait 1-0 pour les Finlandais. Grenoble qui n'aura pas démérité, mais qui a mal géré cette supériorité numérique avec un attaquant finlandais qui attend son coéquipier. On le voit, hein, il l'attend. Et une fois que le coéquipier est arrivé à hauteur, eh bien, on va chercher le gardien pour le rebond. Et c'est exactement ce qui se passe. Grenoble qui se voit mener 1-0. C'est très bien joué. C'est très bien joué de la part des attaquants finlandais parce qu'il y avait certainement que ça à faire, surtout en infériorité numérique. Et les Finlandais ont tenté le coup et l'ont réussi avec une certaine justesse, il faut bien le dire. Mais on aura beaucoup de regrets quand même. J'en sais, c'est vrai ce que tu dis qu'on perd 12-0 ou 3-2, un match de playoff, c'est exactement pareil. Reste qu'on a quand même le sentiment que les Grenoblois avaient fait un énorme travail sur eux-mêmes en réussissant à revenir dans ce match. Et on a encore longtemps à l'oreille le tintement du poteau sur cette échappée d'Alexandre Lavigne qui, eh bien, malheureusement, n'a pas pu concrétiser cette tentative. L'abattement doit être de circonstance dans le vestiaire grenoblois, mais il faut se reprendre puisque ça reprend tout de suite pour le deuxième match. Les enseignements, j'en sais, c'est que on a réussi à se débarrasser du rythme imposé par l'équipe adverse. Et à partir de ce moment-là, j'en sais, les Grenoblois sont revenus petit à petit dans la rencontre. Oui, on a pris la foudre dans les 30 premières secondes. On a eu très peur et je pense que du côté de Grenoble, on s'attendait pas à... Il n'y a pas eu de round d'observation. Hein. Les Finlandais ont eu le palais, ils ont tiré, ils ont trouvé le score. Et puis petit à petit, les Grenoblois ont compris, se sont adaptés. Ils ont eu du mal à porter le danger, mais ils y sont parvenus. Ils ont égalisé à 5 secondes de la fin. Mais je pense que la prolongation, malgré tout, est pour les Grenoblois. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. J'en appelle à mes amis de la communauté. Le rythme de play-off, c'est plus 2-2-1-1-1. Parce que là, on part à Pôle Sud, si j'en crois le matchmaking. Alors qu'en principe, on aurait dû jouer, me semble-t-il. Mais apparemment, je dois me tromper. Et deux fois à l'étranger. Ouais, c'est ce qui m'aurait paru plus en adéquation avec les usages. Qu'en pense Monsieur Delanoë, Monsieur Mika, Monsieur Chomkos, pareil. C'est bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé et que j'ai pas fait attention. Bref. Franc-tireur. Il y a deux francs-tireurs devant, donc forcément c'est des mobilettes. Les deux ailiers sont des francs-tireurs, le centre est un agitateur, et après j'ai pas vu. Ouais.
Bon. Ah, ça fait chier. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Pardon, monsieur le président, si vous nous écoutez, mais je le redis, ça fait chier parce que s'il y a 1-0 Grenoble, c'est évidemment plus la même. Sauf que là, il y a 1-0 pour les Finlandais. Ah, ils ont mérité leur victoire, attention, hein, on certainement pas leur enlever la qualité de leur jeu et puis de leur mise en place tactique. Mais c'est clair que c'est vraiment, vraiment frustrant parce que Grenoble avait fait quelque chose de remarquable pour revenir dans ce match. Allez, on oublie tout. Moi j'oublie tout en tout cas, tout le monde se remet la tête dans le bon sens, les amis, et on va aller chercher ce deuxième match de la série, les garçons, avec la vigne, au face-off. Allez, les Grenoblois dans leur maillot bleu qui vont essayer de redonner un point au compteur, de se donner leur premier point au compteur avec la première opportunité pour les Finlandais, mais les Grenoblois qui peuvent aller porter à leur tour le danger devant la cage adverse. Oh, c'était bien joué ça, de Cronier, de la vigne pour Cronier, mais le gardien de but était en place, Cronier à nouveau, et voilà un face-off à venir sur la cage finlandaise. Allez, les Grenoblois qui démarrent bien là, ce second match, avec une occupation du terrain qui est plutôt en leur faveur, et on récupère le face-off pour aller porter le danger devant la cage. Malheureusement, pas de déviation, mais le palais récupéré pour Grenoble. Ouais, Cronier qui a contré le lancer de son propre coéquipier, malheureusement. Et ce sont les joueurs finlandais qui vont pouvoir partir avec cette tentative dans l'axe. Belle défense et bel arrêt de Mathieu Péan. On n'était pas loin d'une petite faute tout nette, mais monsieur l'arbitre était en train de bailler au moment de l'intervention défensive. Grand bien lui en a pris parce que c'était très très juste, mais en tout cas c'était bien exécuté, et Mathieu Péan derrière pour s'imposer. Allez, Grenoble en défense, les Finlandais qui font tourner, qui vont perdre le contrôle de la rondelle, et on va pouvoir repartir. On temporise et dans un deuxième temps on va être hors jeu si on passe, donc il faut attendre les Grenoblois qui s'en sortent bien. Il fallait pour Maximilien Trommer, ils essayent de les faire sortir. C'est pas idiot, mais ils ont un système défensif vraiment très bien pensé, les Finlandais. Allez, il n'y a plus personne au centre. Ouais, dommage. Merle qui a un petit peu rendu le palais et qui le récupère. Voici Alexandre Lavigne sur son aile droite, en tout cas celle qu'il a tant l'habitude d'occuper. À nouveau contrôle dans la rondelle, c'est hors du cadre. Pas loin, ça peut rentrer du côté de Grenoble avec la vigne. Malheureusement, un petit peu déjà arrêté. On a pris le gant du gardien en même temps que le palais. Allez, Grenoble qui se montre dangereux là. En tout début de ce match, c'est plutôt intéressant ce que proposent les Grenoblois. Grenoble qui doit continuer hein, ce pressing voilà, qui est fait. On va essayer de. Ouais, non, on n'a pas réussi à contrôler. Attention à la relance finlandaise. Les Finlandais justement sur leur droite qui freinent et qui viennent le jouer dans l'axe. Le lancer repoussé par Mathieu Péan. Impeccable. Allez, les garçons. Oui, elle est passée. Ah oh, là là là, du bout de la crosse de notre. Ah. Allez, Grenoble qui va se retrouver devant son gardien Péan qui ne veulent pas les passer. Pour l'instant, les Grenoblois qui font mieux que résister hein, dans ce début de deuxième match. C'est un autre. Une autre physionomie, on est à droite, là pourquoi pas aller rechercher le centre, c'est ce qui est fait. Le palais qui traîne devant la cage et ce sont les Finlandais, peut-être pas pour longtemps, voilà qui est fait, on a récupéré par Merle. Et là c'est un 2 contre 1 qui va se proposer pour les attaquants adverses. Et bien défendu de Thomas Cronier, malheureusement le deuxième palais reste vivant et ces Finlandais eh bien, parviennent à capitaliser sur ce deuxième palais. C'est 1-0 Wittasi. Alors je vous le dis sans détour les amis, le bashing politique et toutes ces choses-là, c'est où vous voulez mais pas ici, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse ici, c'est le hockey et rien que le hockey. Merci par avance de votre compréhension. Le sport nous intéresse, le reste on verra plus tard. Les Grenoblois qui ont donc pris un petit coup derrière la cafetière avec pas ce... Vénard, ah non, pas Vénard parce que Cronier fait l'intervention. Et il l'a fait bien, il l'a fait justement dans le timing, c'était bien joué, mais eh bien écoutez, le joueur finlandais a eu aussi la réussite d'être au bon moment, au bon endroit,
Et celle-là servie. Bonne défense à nouveau. Le palais dans la mitaine ou sous les bottes de Mathieu Péan. 6 minutes à faire dans la première période. 1-0 pour les joueurs finlandais. Mais les Grenoblois ont encore du temps. Et ils ont prouvé lors du match initial, j'en sais, que ces Grenoblois, ils avaient de la ressource. Ouais, pour l'instant, beaucoup de regrets. Hein, si les choses s'arrêtaient là, entre un poteau dans la prolongue du premier et quasiment un but malchanceux. Alors il va falloir continuer du côté des Grenoblois. On vient couper au premier poteau. Allez, il faut continuer là. Les Grenoblois qui jouent bien, hein, dans ce début de deuxième match. On récupère le palais un petit peu plus haut. On complète un petit peu plus de passes. Mais attention aux Finlandais qui là, une nouvelle fois, se présenter devant la cage. Même si Grenoble peut se sortir de ce mauvais pas. Ouais, Franklin était passé, c'est dommage. Il n'a pas pu transmettre son palais. Et je serais tenté de rejoindre l'opinion partagée par Ronnie Green, que l'on connaît aussi sous son patronyme d'Alexandre Delanoë. Il ne faut pas se précipiter. Il faut évidemment essayer de faire feu de tout bois, mais il ne faut pas se précipiter. Les occasions, les Grenoblois vont en avoir. La preuve, malchanceux Mathieu Péan sur celui-ci. Malchanceux, vraiment. C'est dommage parce que le gardien Grenoblois... Il ne mérite pas de le prendre celui-ci tant il fait un parcours remarquable jusqu'à présent. Mais écoutez, on va pas dire les choses autrement. Ça fait deux soirs de suite, enfin ça fait deux soirées ECL de suite que Grenoble est mené 2-0 dans son match. Et finalement, on parvient à revenir à chaque fois à la truelle, au travail. Et il n'y a pas de raison, j'en sais, que, comme on dit, jamais 203. Ouais, jamais 203, mais vraiment là, c'est deux buts qui font mal à la tête hein, du côté des Grenoblois. Il faut continuer à avancer. De toute façon, on n'a pas le choix. Continuons. Tactiquement, c'était plutôt pas mal ce que faisaient les Grenoblois offensivement ce soir dans ce second match. Continuons. On passe par le centre avec le dédoublement peut-être de l'ailier. Donc Grenoble qui va quand même pouvoir récupérer le palais assez haut pour mener le danger le plus vite possible. Il y a du monde au centre. Ouais, dommage. Et attention, regarde, ils arrivent comme des fous, les Finlandais. Oui. Ils ont du patin. Vague, hein. Il y a une école générale, globale, qui dit que les francs-tireurs ne sont pas bienvenus en ECL parce qu'ils ont un physique de chips ou de feuilles d'imprimante. Et finalement, bah, c'est quand même pas mal de constater qu'un joueur avec beaucoup de vitesse, il a des choses à proposer, il a des arguments à opposer. Et là, les deux ailiers finlandais, ce sont des cancers. Alors attention, hein, c'est pas une mauvaise blague de ma part, hein, mais ce sont vraiment deux sacrés zics parce qu'ils mettent systématiquement sur les deux premiers coups de patin, ils mettent systématiquement les Grenoblois en difficulté. Ouais, un Grenoblois, hein, la saison pas celle-là, celle d'avant, Leclerc qui était pas le plus physique mais qui était le plus rapide du championnat et qui a été le meilleur buteur, qui avait lui aussi un. Qui était très 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 rapide, ce qui est l'apport du hockey. On a besoin de tout le monde, ce qui est pas mal, oui, comme sport. Attention à ne pas encaisser le but de ce deuxième tiers. Alors, on va pas se mentir, là il faudrait que les Grenoblois marquent à minima un but avant la moitié de ce tiers. Oui, parce qu'on n'en prend pas de chemin. Bon, ce là, match ressemble vraiment au premier parce que les joueurs de Grenoble sont menés, ils font des fautes en défensive parce qu'ils sont pris à la gorge et on est en train de se rappeler de mauvais souvenirs. Ouais, le Grenoble qui effectivement ont baissé d'un cran sur le terrain. Grenoble qui va devoir subir hein, pendant encore 1 minute et 20 secondes. Là, c'est plutôt pas mal là, ce qu'on fait pour l'instant. On gagne du temps, on éloigne le palais de la zone défensive. Et malheureusement les vagues reviennent. On va pas oublier que les Finlandais en e-sport comme en sport j'allais dire normal mais c'est traditionnel. Voilà, le hockey ça leur parle un petit peu quand même assez jeune. Oui, légèrement. Légèrement, Péan, parfait. La belle intervention de Mathieu Péan. Allez. La récupération de Thomas Cronier, la pénalité qui va se terminer à l'instant. Allez, attention, on va récupérer le palais, voilà, pourquoi pas. Dommage, Merle qui était bien en place là. Il faut arrêter avec vos passes. Tellement l'habitude de faire des... Il était. Tiens, bon, c'est pas une critique envers Merle, mais il est parti à la cage et on trouve le moyen de se foutre en marche arrière alors que c'est grand ouvert. Alors je suis certain que c'est un acte manqué de sa part, mais ça c'est vraiment dommage. Parce que là, breakaway, c'était parti les amis, et malheureusement, eh bien, bon, il y a eu un mouvement de trop. Enfin, c'est comme ça. Allez,
une fringlin. Oh, le bel arrêt, le gardien n'a pas bougé. Enfin, si, plutôt, mais dans le bon sens. C'est plutôt comme ça qu'il fallait le dire. Allez, continuons du côté de Grenoble avec Merle qui va devoir couper la passe. Attention, parce que ça revient dans les crosses, dans la crosse de l'attaquant finlandais. Grenoble qui va pouvoir repartir. Je sais pas si tu as le même sentiment que moi. Dans le premier, on a pris deux buts coup sur coup. Là, j'ai l'impression qu'on prend deux buts qui arrivent un peu dans une période où Grenoble est plutôt à l'aise et que ça nous coupe les jambes. Mais ce qui me dérange plus, pour être parfaitement honnête avec toi, j'en sais, c'est que j'ai le sentiment que les Grenoblois sont dans la réaction parce qu'ils n'ont pas trop le choix, puisque ce sont les Finlandais qui dictent la loi du jeu et que, eh bien, on fait un petit peu comme l'on peut et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on est un peu dans l'improvisation. Mais les Grenoblois ont-ils seulement le choix? Je vous laisse la question. Je vais te laisser l'antenne une petite seconde, mon Jean-C, puisque j'ai un petit problème à régler dans les coulisses. Je ne serai pas long, mais c'est beaucoup trop tard. Demain, il y a école. Allez, les Grenoblois qui vont peut-être proposer un tir. Non, attention, parce que du coup, ce sont les Finlandais qui rentrent en zone offensive, mais Berle qui se repose, j'allais dire qui revient bien. Grenoblois qui perd un peu plus, hein, Je vais pas aller sur la première passe, il va falloir se battre un petit peu plus haut, c'est ce qui avait mis le danger en début de match sur la cage adverse, et malheureusement, voilà, comme on le voyait, de nouveau, petite perte de palais, pour l'instant ça se joue quasiment dans la zone médiane, à toi, à moi, mais à ce jeu-là, ce sont les Finlandais qui s'en sortent toujours pour l'instant, en tout cas depuis le début de la soirée, Grenoble qui va devoir s'appliquer le tir et la pénalité contre les Grenoblois pour faire trébucher, si je ne m'abuse, et Grenoble, voilà. Grenoble de nouveau en infériorité numérique pour 2 minutes. Malheureusement, bah j'ai... Ah bah voilà, 3. Ça bon, pas bah, je... minutes, plutôt 2 secondes. Non. Il y a une chose à changer, il va falloir que les Grenoblois trouvent la réponse tactique, la réponse psychologique. Je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de l'apporter lors du premier match. Mais il va falloir trouver quelque chose parce que sinon cette série va être compliquée. Allez, mon petit Lavigne, il y aura un pénalty. Il y aura un pénalty. Ça, c'est un moment important, les garçons. Grenoble important. 100% au pénalty cette saison. Ouais. Deux pénaltys, deux buts. La vigne et l'intervention du gardien de but qui est venu au devant de l'attaquant grenoblois. Rien ne fonctionne pour Grenoble dans ce match. Rien. Et c'est difficile à admettre, mais les Finlandais sont très nettement supérieurs pour l'instant dans cette série. Enfin, il reste quand même une période et demie, un tout petit peu moins. Sait-on jamais, les enfants, sait-on jamais comment les choses pourraient tourner. Il faut en tous les cas que les Grenoblois marquent un but. Ça pourrait tout relancer. Et c'est l'équation, c'est aussi de plus en prendre. Sinon, à 4-0, je pense que ce serait mort. Il y a une pénalité. Ouais. Encore une fois. Compliqué, on est pris dans la vitesse. On est pris dans la vitesse. Alors, est-ce que les Grenoblois vont remporter? Oui. Les spécificités des joueurs sont. Enfin, les joueurs peuvent changer entre deux matchs, de mettre les joueurs plus rapides. Oui. Allez, Grenoble peut-être là sur l'infériorité. Allez, Cronier. Dommage. Allez, 3 minutes à faire encore dans ce deuxième tiers. Récupérer le palais. Et aller défier hein, ce gardien qui a fait un bon match hein, dans ce deuxième match pour l'instant, qui a stoppé les quelques offensives grenobloises. Palais récupéré par les Finlandais, il reste 2 minutes dans la période, faut pas en prendre un quatrième parce que sinon c'est la fin des haricots. Autant le dire tout de suite, fin de pénalité, ils sont deux les Grenoblois, ils sont deux, la vigne et le but. Ouais. Le but d'Alexandre Lavigne sur la sortie de pénalité, parfaitement donné par Thomas Cronier. Le timing, eh bien, il a été parfaitement favorable. Les Grenoblois reviennent à une longueur, à deux longueurs, pardon, de Whoopi Passy à la fin de la période. 3-1, ça redevient possible, mais il va clairement falloir... Encore. Discipliné, disais-je,
et puis prendre le match en main, les amis. Surtout, allez, Franklin. Allez, mon bonhomme. Allez. Merde. Ah, non. Allez, parce que là, un deuxième but de suite, ça changerait tout. Les Grenoblois qui doivent serrer là, attention, il va y aller tout seul. Bien, Thomas. Allez, le capitaine Grenoblois qui peut se mettre à la relance et on va s'arrêter là. Allez, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, les amis. Il y a vraiment de quoi faire, il y a du temps. C'est vrai que c'est un match difficile, c'est un match âpre, c'est un match où les Grenoblois sont en déficience de réussite. Mais ce sont les playoffs. Il n'y a de cadeau fait à personne, il n'y a pas de place pour l'à peu près, pour la médiocrité et surtout retrouver de la discipline. Trois pénalités déjà contre les Grenoblois, j'en sais, c'est vraiment trop. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On les sent à la peine en 15, ce qu'on voit, et puis prévenez tout le monde hein, en disant vous verrez les playoffs, c'est autre chose, et ben, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ce qui est pas normal non plus, hein, on le sait. Ça va plus vite et les Grenoblois pour l'instant ils ont un petit mètre de retard. Mais il reste 20 minutes. La vigne. Tout est possible. La vigne à la pointe pour Trommer qui prend un lancer. Il y avait du trafic devant la cage, mais le gardien était bien en place. Alors que là, il y a un joueur finlandais qui a pris un sacré coup derrière la cafetière. En voilà un autre. Franklin, réceptionne le palais de Merle. Allez, on se replace les garçons. Allez, la vigne, ne te jette pas, ne te jette pas, ne te jette pas. Ah, c'est dommage. Ne te jette pas. J'aurais pas dû le dire, tu vois, j'aurais dû fermer ma... Oui, mais bon, des fois, c'est plus fort. Et Grenoble qui se voit mener. Alors là, 2-3 buts à 17 minutes de la fin. Ça va être compliqué. Ouais, ça devient difficile là, ça devient difficile parce que les Finlandais se sont fait avoir une fois. On leur a quand même mis 3 buts en 2 matchs pour l'instant. Il est difficile d'envisager d'en mettre autant alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer. Ah, qu'il est rageant ce but. Et encore, si certains me connaissent parmi ceux qui nous écoutent, c'est pas vraiment le mot que j'aimerais employer, mais par respect pour les ondes, je tairai mes pensées les plus profondes. Allez, il faut encore rester dedans parce que mettre des buts, mais ça fera du bien au moral déjà. Et puis c'est un entraînement grandeur nature pour vendredi. Oui. Voilà qui se doit aussi de se redonner confiance. Tout à fait. Il faut garder ça en tête. Hein. Les playoffs ne sont pas terminés ce soir. Déjà, il reste du temps. Donc, sait-on jamais. Même. Oh, même Palais qui flirte avec la ligne. Sait-on jamais, hein, il peut y avoir des coups du sort dans la vie, et on peut même parfois même provoquer le destin, si c'est pas plus mal. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, les playoffs ne sont pas terminés. Les Grenoblois sont certes mal embarqués, mais enfin, il y a encore de quoi faire, les amis, il y a encore de quoi faire. Il faut garder confiance dans le groupe, il faut garder confiance dans la solidarité de l'équipe. Il faut évidemment tout faire pour se prévenir de quelque erreur individuelle que ce soit, bien sûr. Cette intervention défensive d'Alexandre Lavigne était une erreur et il le sait. Et ça fait 5. Mais il faut oublier tout ça, il faut se remettre dans le bon chemin, les amis. 5-1, la messe est dite. Grenoble a toutes les chances de s'incliner pour un deuxième match consécutif. Pardon. Allez, ne pas exploser en route, en vol, pardon, et continuer à essayer de fournir du jeu. Il reste 12 minutes, alors effectivement, hein, ça sera très compliqué, mais les Grenoblois ne méritent pas non plus de prendre une valise, et ça ne passera que par du jeu. Avec de nouveau un arrêt de jeu pour un hors-jeu, justement, des Grenoblois. Allez, pas les gagner par les Finlandais, et on approche des 10 dernières minutes. Grenoble en prend une petite, là, quand même, il faut quand même pas avoir peur de le dire. 5-1 en playoff, ça commence à piquer un peu les fesses. Trommer, Merle, oui. Voilà, ça fait du bien à la tête. Voici Merle qui vient ramener les Français à hauteur, non pas à hauteur, mais en tout cas à portée de canon. Pourquoi pas 10 minutes à faire, 3 buts à marquer. On a vu, j'en sais, dans l'histoire du sport, des retours a priori qui semblaient beaucoup plus improbables que ça et qui se sont tout de même produits. Oui, là il faut enchaîner, troisième but, et après on verra bien ce qui se passe.
Là, il faut pourquoi pas sur ce tentative le rebond Grenoble qui a toujours le palais. On va chercher le premier poteau. Ça s'est refermé, mais voilà, il y a la place. Hein, il y avait la place pour mettre le troisième. Et 10 minutes, ça reste amplement suffisant pour aller jusqu'au bout. Les Grenoblois qui nous ont fait vivre une dernière journée de phase régulière hallucinante. Ah oui. Pourquoi pas remettre la même chose ce soir. Allez, c'est récupéré, tout de suite le transmettre si c'est possible. Et évidemment, c'est fait avec Cronier qui donne pour Franklin qui ne peut pas récupérer cette rondelle, malheureusement. Allez, les Grenoblois qui doivent continuer avec le tir du cadre. Il y a 4 joueurs de Grenoble sur le même côté de la patinoire. Ouais. Regardez le replay, ils sont 4 du même côté. Voilà, bim, juste là. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. On patine après le palais, on ne respecte pas ses zones. Après le tir. On ne respecte pas ses zones et à partir de là, on a un joueur tout seul de l'autre côté qui ne demandait que ça, surtout qu'il a les qualités de lancer du franc-tireur. Et à ce compte-là, il n'y a aucune excuse à avoir. Ce but, c'est un cadeau, c'est une offrande faite à l'équipe adverse. Ouais, ça fait beaucoup hein, entre le premier but un peu compliqué que les Grenoblois encaissent, le but où on se trouve en défense, le dernier, ça fait déjà 3 buts un petit peu agaçants, on va dire ça comme ça. Après il faut pas les rentrer, hein, mais les Grenoblois qui peuvent montrer autre chose sur la fin du match. Allez, voici Raphaël Merle dans les dernières minutes du match. Que vraisemblablement Grenoble va concéder, c'est plus respectueux, va concéder à l'équipe finlandaise de Upi Passi qui a été parfaite dans son rôle. Des joueurs rapides, des joueurs véloces, des joueurs qui prennent des chances, des joueurs qui sont dans le timing. Voilà, allez, Merle, allez, lancer deux trommeurs, malheureusement. Allez, encore une 18 pour des Grenoblois qui vont s'incliner. Maintenant, il y a peu de doutes, mais encore une fois, rien n'est fini dans cette confrontation. Charge dans le dos, là, peut-être, a-t-il semblé, mais enfin, en tout cas, ça n'est pas l'avis de monsieur l'arbitre. Dégagement refusé à 47 secondes. 6-2. Grenoble, je sais pas si c'est la pression Bob, mais enfin le respect de la tactique les amis, puisqu'on là on parle presque entre nous, le respect de la tactique est une base absolument fondamentale dans le hockey traditionnel comme dans le hockey e-sport, en tout cas lorsqu'il est joué à ce niveau là et à ce registre là les Grenoblois ce soir ont failli avec Cronier malheureusement qui n'a pas pu s'ouvrir le chemin du but. Ça n'est pas pour moi une histoire de niveau comme le souligne bel arrêt de Mathieu Péan. C'est une histoire de maturité. Il y a des jeunes joueurs dans cette équipe, on ne peut pas leur en vouloir, mais un schéma tactique, c'est la base, c'est une feuille de route. Et sans cela, on n'a absolument aucune chance d'espérer quoi que ce soit dans des phases finales. Et quand on voit le dernier but marqué par l'équipe finlandaise avec 4 joueurs de Grenoble du même côté de la patinoire en défense, c'est terriblement révélateur d'une équipe qui ne trouve pas sa marque et qui n'obtient pas son système. C'est très frustrant de s'incliner 6-2 après être passé si proche de pouvoir s'imposer dans le match initial. Ne pensez pas que je tire sur l'ambulance, mais j'ai, outre mon rôle de commentateur, aussi certaines connaissances de ce milieu et de ces joueurs et de ce qu'ils sont en capacité de produire. Et à ce titre-là, j'ai des exigences, parce que c'est frustrant de voir Grenoble s'incliner sur ce match alors que on était passé si proche de la première manche. Enfin écoutez les amis, la vitesse, c'est vrai, la vitesse, ce que dit Brunch, c'est important, c'est capital. Hein. Je me bats dans ma propre équipe pour souligner la nécessité des compétences d'un joueur rapide. Bon, enfin écoutez, on va en parler avec Mathieu Péan qui va nous rejoindre dans une seconde. Il va avoir le museau bas, le gardien grenoblois, évidemment. Deux défaites ce soir pour des Grenoblois qui entament les playoffs avec 1-0-2. Mais voilà, tout est encore possible, hein, on le rappelle. C'est le premier à 4 qui se qualifie. Grenoble qui a été quand même, étrangement, plus... Les stades sont plus équilibrés dans ce match. Oui, oui, oui.
Oui, oui, mais on a des. Après, il y a eu je me souviens de ce but là qui je crois le premier ou le deuxième que Mathieu prend alors que Tom Cronier fait une belle défensive. Le joueur finlandais a toute la réussite du monde devant lui. Mais vous savez, la réussite n'est jamais le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas et encore moins dans le sport de haut niveau. Les choses se provoquent dans un sens comme dans l'autre. Mathieu Péan est avec nous. Bienvenue, Matt. Bonsoir, messieurs. Merci de nous rejoindre dans un contexte, j'imagine, émotionnellement compliqué. Peux-tu décrypter tes sentiments à la sortie de cette première soirée de phase finale ? Bah, c'est vrai que c'est compliqué de commencer les playoffs par deux défaites. Ça fait mal. Maintenant, voilà, nos adversaires, ils ont été plus forts que nous ce soir sur les deux matchs. Donc, il n'y a pas photo. Et voilà, il faudra qu'on se montre un peu plus conquérant demain et qu'on puisse renverser la tendance. Voilà. On est sur un sentiment de frustration, surtout au sortir de ce premier match où vous avez fait le plus important. Vous avez tout de suite été sous l'eau et puis vous avez réussi à stopper l'hémorragie jusqu'à revenir, à forcer la prolongation. On se souvient de cette échappée de Coco, d'Alexandre Lavigne qui peut tout faire tourner. Cette défaite en prolongation, elle vous a secoué ? Bah, c'est sûr que de toute façon, les matchs de play-off, ça joue sur pas grand-chose. Et puis, c'est sûr, un break raté. Et puis derrière, on perd le match. Non, ça ne nous a pas fait mal à la tête. Au contraire, on était plutôt motivés à l'entame du deuxième match. Mais voilà, on s'est bien fait rentrer dedans. Et on n'a pas réussi à trouver les clés pour espérer quoi que ce soit ce soir. Voilà, bon, on est 2-0. Les playoffs, c'est sur 4 matchs gagnants, donc rien n'est fait. Il faudra que demain on ait un niveau de jeu un peu totalement différent et qu'on ait un état d'esprit encore plus guerrier. J'en sais pour une question pour Mathieu. Oui, on a vu un début de match rapide. Est-ce que vous attendiez à ça dans les observations que vous aviez pu faire de cette équipe? Ah oui, bah on savait que cette équipe finlandaise, ils avaient une très grosse attaque et qu'ils étaient quand même assez dangereux. Mais c'est vrai qu'on s'est fait un peu cueillir un peu à froid, entre guillemets. Après, c'était assez compliqué. Ouais. Le premier match, même si on a quand même été ultra dominé, on n'est pas passé loin. Bon, oui. Le deuxième match, là, pas photo. C'est rare d'avoir des. C'est rare. Disons que c'est pas la majorité des joueurs en ECL qui optent pour des joueurs des francs-tireurs rapides comme le sont les deux ailiers de cette équipe de Upupasi. Parce que ce qui nous a frappé aussi, c'est la vitesse de jeu. Alors, de jeu, certes, mais la vitesse de patinage, notamment de ces deux garçons. Oui. Difficile, ça aussi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ils nous posent énormément de difficultés. Et puis. À chaque fois, il prenait les espaces, il passait dans le dos et tout, nos défenseurs. C'était très compliqué. Et puis, ça s'est vu sur les deux résultats ce soir. On n'a pas. Disons que sur l'aspect, composition et sur aussi leur façon de jouer, on n'a pas répondu présent ce soir. Maintenant, voilà, il faudra que. Mais la parole sage de Mathieu Péan. Ingrédient pour demain, quoi. La parole, excuse-moi Mathieu, je pensais que tu avais terminé. La parole sage de Mathieu Péan est à retenir, les amis. Une série, c'est 4 victoires, et pour l'instant, les Finlandais n'en ont que 2. Alors, c'est vrai qu'on aimerait être à leur place, hein, on serait plus à l'aise. Mais l'information à retenir et qui nous redonne du sourire, et je te remercie, Matt, parce que moi, je suis sorti de ces deux matchs, j'avais envie de balancer des trucs dans ma télé. J'étais triste et déçu pour vous, mais finalement, tu me redonnes de l'allant. C'est ce qu'il faut retenir. On n'est qu'à la mi-temps d'une possible qualification finlandaise. Maintenant, vous avez de la ressource, vous avez de l'expérience, vous avez du talent. Alors, il va peut-être falloir repenser quelques petites bricoles, parce que c'est vrai que ce soir, dans la discipline et dans la discipline tactique, il y a eu des loupés. Mais vous avez prouvé que vous étiez en capacité de les accrocher. Donc, vendredi, baïonnette au canon, les garçons, et on y va. Ouais, non, mais c'est sûr, demain, ça sera deux matchs différents. C'est pas demain, je crois, matin, c'est vendredi.
Bah, je peux me tromper, mais vérifier. C'est normalement, je crois que c'est demain, mais après à vérifier. D'avoir, oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est demain. Non, c'est demain, Yann. Mais sinon, mais de toute façon, certes, il y a de la frustration sur les deux défaites, mais voilà, ça fait que commencer. On n'est pas mort, et demain, on pourra qu'on montre un autre visage pour essayer de gagner deux matchs et d'égaliser. Monsieur Guiguet, pour la question finale envers notre gardien de but grenoblois. Alors moi, je vais truander, c'est que j'ai pas de questions, mais je tenais quand même à féliciter, même si la saison n'est pas du tout finie et on le souhaite qu'elle ne soit pas, le gardien grenoblois, parce que il fait une saison incroyable, beaucoup d'arrêts ce soir encore, hein, beaucoup de sollicitations, et on voit que t'es là. C'est aussi rassurant, je pense, pour tes défenseurs. Moi, j'aimerais juste savoir, du coup, si tu as ce rôle aussi un peu d'expérience, que tu l'amènes aussi, par exemple, là, entre les deux journées. Est-ce que c'est toi qui vas prendre un petit peu plus la parole? Comment ça s'organise? Bah écoute, merci pour les compliments. Après, c'est sûr que on essaye un maximum d'aider tout le monde. Mais bon, de toute façon, les garçons, ils savent exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils ont même s'ils n'ont pas trop d'expérience en ECL, techniquement ils sont très très forts. Après, maintenant, voilà, il faut qu'on puisse le jouer en équipe, et puis le prouver sur la glace tous ensemble quand on joue à NHL, et puis voilà, c'est un peu le plus important. Exactement, merci. Alors Mathieu Péan, je crois que Jean-Cé Guiguet est candidat à récupérer ton maillot à la fin de la saison pour l'accrocher dans son bureau. Mais moi je trouve vraiment je le trouve très fort, et je l'ai rappelé en début de soirée. On parle souvent des attaquants qui ont 45 buts, 30 buts, machin. Voilà, moi je pense que Mathieu Péan a marqué des buts par ses arrêts. Voilà. Ouais. Je vous laisse réfléchir à ça, mais il y a plusieurs matchs où il y a eu des arrêts qui valent un minimum un but. Tout à fait. C'est une remarque qui a du sens. Merci beaucoup, Trollsty Vegan. Mathieu, alors est-ce que ton problème de compte principal est réglé, Trolli? Parce que j'imagine que non, a priori. Non, mon compte principal, c'est pas du tout réglé. ESport me donne que des réponses négatives pour le récupérer. Ah, très bien. Donc, je pense que j'ai dû être piraté et c'est mal embarqué. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, Trollsty Vegan, c'est son gamer tag historique, et il a dû se réfugier derrière son compte d'emprunt, le gardien grenoblois. Merci infiniment, Mathieu Péan, pour ses paroles apaisées, ses mots sages et pleins de sens. La série ne fait que commencer. Grenoble est effectivement mené 2-0 après une défaite en prolongation 3-2 et une défaite plus piquante 6-2. Mais demain est un autre jour. On vous donnera des nouvelles quant au planning et quant à mon planning de demain, puisque les deux équipes françaises vont devoir certainement jouer en même temps. Donc il va falloir que je prenne une décision. Je vais très sérieusement y réfléchir. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Matt Péan, gardien des Brûleurs de l'eau e-sport. Merci, Jean-Sébastien Guiguet du Sport Dauphinois, qui était encore à mes côtés ce soir avec brio. Merci à Thomas Cronier, enfin, depuis le quart régie. Et merci à ma fille de s'être enfin endormie, les amis. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et bon courage pour ceux qui vont bosser demain. À bientôt. J'espère que demain, Tromer jouera. Et à demain. Et tu pourras dire ça, Trolli. Pendant un quart d'heure, Guiguet a cru que Tromer n'était pas là et que c'est Pelletier qui jouait à sa place. Très bien. Voilà. D'accord, ok, j'y manquerai pas alors. On voit le mec qui suit, quoi. On voit le mec qui suit. Enfin bon, à bientôt 64 ans, en même temps, on ne peut pas le l'envoyer. C'est exactement ça. Allez, merci à tous, les amis. Très belle soirée. Bye bye. À tous aussi, bonne soirée. Merde.